Hey, salut à tous, c'est Alex et bienvenue dans cette vidéo de punition en compagnie de Lord Minas. Salut. Salut tout le monde. Alors, suite à ma défaite dans Marvel vs Capcom contre notre cher ami Raybon, je me tape une vidéo à la con où Lord Minas va mettre des bâtons dans les roues pendant que je joue à Tintin au Chili. Ça va être un vrai plaisir. Ce jeu, c'est le fun intégral. Ah oui, ça va être de la pure génale, ça va être que ça. Je sais comment s'amuser. Toi, oui, moi, non, ça c'est sûr. Allez, je vais essayer d'aller le plus loin en 20 minutes. Et c'est parti. Ah, en Chine, un train long de Yangtze, Tiang, je parle très bien le japonais. On s'y croirait, c'est un truc de fou. Ah, putain. Le saut. Ça, c'est pour courir. D'accord. Donc, quel est le premier défi lors de Minotaur? Alors, le premier défi que je te lance, c'est de ne pas courir pendant le jeu. Ben, ça va pas être compliqué vu la difficulté de cette merde. Oh, mais là, non, là, je vais mourir même avant d'avoir pu finir le niveau, quoi. Et regarde, ils sont inévitables. Iné-putain de vitable. Faut que tu arrives à te concentrer un petit peu, peut-être tu Ah, arriveras. mais non, mais là, il faut que je cours pour le faire, ça. Eh ouais, il faut que je cours. Je pourrais même pas passer le premier niveau avec ton putain de truc à la con. Je peux pas putain de passer le putain de premier niveau. Et Milou, là, pourquoi il se casse d'abord ce coup-là? Ce jeu est vraiment une galère, mais graphiquement, quand Sans même. déconner, qu'est-ce qui m'a touché là? Et graphiquement, elle a bien vieilli quand même, je trouve, le graphique. Ouais. Et en tant que pur jeune homme aussi. Donc... Allez, ouais, c'est bon, je peux dire. Sans courir, je ne peux pas passer le premier niveau. Vous ne croyez pas? Voilà. Ça vous rappelle quelque chose d'ici les 10 premières secondes de la vidéo? Eh ouais, j'étais en train de mourir au même endroit. Sinon, essaye un autre deal de sauter sans arrêt. De sauter sans arrêt? Mais ça revient pareil, regarde. Je saute sans arrêt. Aucune contrôle sur les mouvements, et quand les gamins vont passer, je pourrais pas courir pour les éviter. Voilà, première vie perdue. Deuxième vie. Troisième vie. C'est chiant, hein? Je ne peux pas les éviter parce que je saute sans arrêt. Regarde là. Trois fois que je meurs en même endroit. Oh, 0% du jeu est effectué. Nickel. Putain, quel espoir monumental. Essaye de courir sans arrêt. Ouais, mais si je saute pas, c'est fini. En fait, à chaque fois que tu vas me proposer un truc, ça va être la même. Je vais finir au même Je endroit. sais que ça t'a la grosse merde, c'est volontaire. En Non, fait, ça va être. essaye de courir et de sauter en même temps. Mais tu peux pas, c'est soit tu cours, soit tu sautes. Et c'est d'aller. Exemple. Un coup tu sautes, un coup tu cours. T'as vu, regarde. Je suis mort même plus tôt cette fois. J'ai appuyé sur la touche course et saut en même temps. Non, en fait, t'as pas envie que Tintin survive. Je comprends, hein, ta déception. Hein. Par contre, je peux m'amuser à faire ça et essayer d'éviter. Voilà. Là, déjà, c'est foiré. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. C'est pas rien, en fait, ça change rien. Même en jouant normalement, c'est la grosse merde de ce jeu. Ah ouais, mais. Déjà, c'est bien connu que c'est. Mais d'où des gamins qui passent à côté d'un train te font mal, quoi. À part si tu donnes un coup de poing dans les couilles, là, oui. Mais je rigole, mais j'ai même pas de bouton d'attaque. Ah, mais. Mais oui. C'est un jeu qui se passe sur deux plans de caméra. Comme les Mais ça, roues. t'aurais pu me le dire. Ah, mais je me rappelais plus. Ça m'est sorti de l'esprit complètement. Voyez l'incompétence de cet homme, sans déconner, quoi. Ah, on ne se rappelle pas tout. Si on devait se rappeler tous les jeux, par cœur de l'HKZ, on n'aurait pas Quoi? fini. Mais non, essaie de faire ce que j'ai dit, du coup, de le faire à marchant, pas en courant. Ok. Oh, ça va prendre une plombe, je suis désolé. Voilà un Tintin très détendu. Ting ting. Ding ding. Ouais, c'est mon meilleur d'accent, justement. Ouais, c'est ni bon ni mauvais. Hein.
Oh putain. Bah, je veux bien que je sorte ma blague Ah of the year quand putain, même. allez, c'est fini. Là, Putain, tu aurais dû ah. venir en premier plan, du coup, là. Non, je peux même pas avancer en premier plan, regarde. Là, tu vois, je l'ai même Ah, moi, je plus. pensais que c'était sur tout le niveau, tu vois. Je l'ai même plus, premier plan, là, pour tout te Mais tu dire. vois, positive, tu aurais quand même réussi à passer ce passage. Fallait dire quoi, là? Il me semble que tu es mort. Je crois aussi, Ouais. ouais. Là, c'est plus facile quand tu connais un peu les mécaniques du jeu, quoi. Ouais, j'ai fait ce jeu, je devais avoir. Et dans ces eaux-là, tu vois. Mais n'empêche, il reste plus beaucoup plus maniable que des jeux comme Dragon Slayer, par exemple. Dans Slayer, il est punitif de base. C'est une horreur. C'est une horreur ce jeu. Il est punitif de base. Bon, c'est clair, par contre. Si je ne peux pas courir, je ne peux pas passer le truc, à mon avis. À mon avis, tu sais, il faut que je prenne mon élan, que je cours. Ouais, parce que je vois pas comment tu peux passer le raid. Ouais, je pense pas pouvoir le passer sinon. Il est déjà assez compliqué comme ça. Ah, et mes couilles. Il est déjà assez compliqué comme ça. Sans déconner, je suis à un niveau normal du jeu, quoi. Tu voulais punir tes gamins, tu joues à ce jeu, quoi. Tu leur fais tout le monde, tu Tu as remarqué la mercouilles. logique de ce jeu? C'est bien connu, tu jettes des colis par-dessus le train, ça les Ah, ramassait. mais bien sûr, c'est un truc très connu, ça, Et quand tu es gosse, tu calcules pas des trucs comme ça. dans le travail ferroviaire, c'est très connu, ça. Et puis, tout le monde sait que la vapeur d'un train, quand tu passes à côté, elle est mortelle. Bien entendu. Elle est mortelle. Et tu brûles au troisième degré aussi. Ah ouais, non, mais j'ai travaillé dans la voie ferrée, justement. J'étais, tu sais, les mecs qui font monter dans les quais, la contrôleur et tout. Et je peux t'assurer que de la vapeur d'eau chaude, je m'en bouffais tous les jours. Eh ben, crois-moi, je suis toujours en vie. C'est pour ça que tu es un peu atteint du cerveau. Ça va être mieux là peut-être. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. C'est un jour, j'ai vu une vidéo de lui sous la douche, et depuis, ça m'a traumatisé à vie, quoi. Mais elle a vu trop de perfection, c'est peut-être pour ça que ça t'a choqué. Non, Je pas t'avoue vraiment, pas. non. Vous savez qu'il a 4 tétons, le mec? Oui, comme un Total Recall, mais faut pas l'oublier. Il a trois Total Recall. Trois. Mais moi, c'est une gonzesse et elle a une belle poitrine. Toi, t'es un mec et t'es Bah, idiot. franchement, si je vois une gonzesse avec trois paires de nibards, je pars en courant. Et tu sais que c'est le truc favori des mecs de SS? Hein. Oh, c'est ignoble. Il y a des moments où je me pose des questions. Hein. Et pourtant, j'adore la SF. Hein. Ouais, non, là, c'est pas possible. Mais là, tu peux même y bouffer à côté, c'est de l'eau en vapeur, il n'y a rien de plus propre que ça, quoi. Écoute, essaie de sauter quand tu vois que t'as pas le choix. Sinon, le reste du temps, tu marches. Mais là, de toute façon, j'ai pas le. Là, que je marche ou que je saute, c'est la même. Hein. Et tu peux faire d'arrière-plan? Ben, ça sert à rien, surtout. Mais non, je peux même pas, tu vois. Je peux même pas faire d'arrière-plan. Bon, là, par contre, je suis désolé, il va Ouais, falloir que quoi, je ben saute. vas-y. Oh putain! Allez, mais. Je vois pas la différence par rapport à tout à l'heure. Ouais, Je ferme peux ta jamais. gueule, c'est toi qui vas finir par jouer. Oui, c'est le gameplay de la gratuité la plus totale. Ça vous plaît pas, rien à secouer. Puis c'est sa faute, il va se taper un Tortue Ninja sur NES, un de ses quatre, il va rien comprendre. Ah, je l'ai déjà fini à l'époque, il y a très longtemps. Ouais, mais tu le feras avec une main cette fois. Oui, tu crois, toi? Yeah. C'est aussi fun qu'un Soul Edge. Ah ouais, en fait, il faut te dire que ça, c'est la deuxième vidéo. On vous a pas infligé Full Age. Ah, D'un avis commun, c'est très chiant on à ne voulait pas la regarder. poster. C'est très chiant à regarder pour vous, donc on a pensé à vous, on s'est dit que voilà, c'est toujours les mêmes coups. Au moment de combat, on a vite fait le tour, on peut pas. Ouais, C'est c'est. marrant 30 secondes, après ça saoule un peu, c'est C'était vrai. même pas marrant. Je vous l'ai Voilà. dit, c'était même plus marrant, quoi. Moi, j'ai rigolé de te voir rager, là, sur ce coup. Oui, t'as rigolé, mais ça s'arrête là, quoi. Allez, mais. La logique, elle a qu'à se faire voir. Et c'est comme ça. Eh ben non. Même joueur jeu. Encore. À mon avis, il faut que je monte sur la poutre, il faut pas que j'essaie de sauter. À mon avis. Si je repense aux jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent pas ces jeux-là, galère, où tu prends la tête, où t'as des game over, tu recommences du début, t'as pas de Ouais, mais sauvegarde, tu vois, t'as pas de checkpoint. c'est ce genre de mec en fait qui te disent que Call of Duty est difficile.
En culture d'outils, tu as plusieurs phases de checkpoint quand tu y vas. Et c'est finalement, c'est des jeux qui sont super faciles, quoi. Ah oui, comparé à Tenter au Chili, oui, c'est Ah, mais sûr les que c'est. gamins d'aujourd'hui, ils n'auront aucune patience, ils n'arriveraient pas du tout à y jouer à ces jeux-là. Sais, ça me fait penser un peu à Retour vers le futur quand Marty McFly joue dans le bar avec l'hologramme, tu sais, avec le pistolet, tout ça, là. Et t'as les gamins, ils font, ah, tu joues avec les mains, oh, c'est tellement dépassé, tu vois. C'est un jouet pour bébé, je pourrais Ouais, un dire jeu comme pour ça, ouais. bébé. Ouais. Alors que non, en fait, c'est les jeux les plus difficiles. Non, c'est affreux. Tintin au Tibet, c'est une purge. Mais bon, le problème, c'est que les gamins d'aujourd'hui, justement, ils persévèrent pas. Ils perdent un jeu, ils recommencent pas derrière. Ils vont pas faire comme nous, recommencer, même si ça nous gave. Au bout d'un moment, on est récompensé, on arrive à le faire. La persévérance, les gamins d'aujourd'hui ne l'ont plus, ça. Ils n'ont plus Je crois qu'il cet faut. orgueil de réussir, tu sais. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Prendre de l'élan très loin, peut-être en courant, en entrée de game. On va Partir du voir. train. Là, saute. Un peu avant. Le bouton n'a pas répondu, je crois. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, j'ai mes nerfs qui disent d'éclater la manette sur sa tête. Hein, de son côté. Et dis-toi bien un truc. Soi-disant, c'est le niveau le plus facile du jeu. Ah bon? Ah oui, le niveau de la neige, c'est là, c'est vraiment la purge anale, hein, le niveau de la neige. Le JDG, il s'en souvient d'ailleurs. Donc ça c'est facile. Ouais, d'un autre côté, ouais, c'est vachement facile, quoi. Il faut dire ce qui est, c'est vachement facile. T'évites des mecs, tu te fais tuer par de la vapeur d'eau, qui cependant est, mais pas si chouette que ça, hein, il faut arrêter. Vous allez vous calmer là aussi, jeune gens. T'imagines la réalité? Eh, t'as vu l'enfoiré quand même? Il a arrêté avec ses colis. Une fois que je suis arrivé avec à son niveau. Là, tu peux dire homicide volontaire. C'est vraiment pour la gueule à Je Tentei, quoi. porterai plainte. C'était à ta place. Oh putain! Tu vois dans la vraie vie faire comme Tintin, faire gauche ou droite avec des gens qui passent avec leur valise dans la gare. Le mec qui m'envoie un colis à la gueule, il le reprend dans la gueule, hein, je vous le dis. La scène absurde, tu sais. Attends, non mais quand même. Tu es tranquille en train de marcher le long d'un train, quoi. Tu marches Normalement, tu devrais pas te faire agresser et comme tu marches ça. en zigzag comme ça en courant. Allez, je vais crever, ça va être réglé. Ah non, je suis pas mort. Allez, c'est Là. parti. Allez! Et tu sais que je peux pas m'accrocher au bord? Je peux pas m'accrocher au putain de bord. Non, mais cherchez pas, c'est mort, quoi. Je vais essayer un dernier coup comme ça en y allant comme un véritable joueur, quoi. Pas comme un type qui subit une torture mentale. Oui, j'ai des Tu pourras réflexes de dire au fou. moins que tu t'es régalé de début jusqu'à la fin, t'as pas souffert du tout, Oui. tu t'es pas fait toucher une seule fois. Toi, tu vas prendre le toucher à l'étape, tu sais pas d'où il va venir. Y a que toi qui aimes ces pratiques-là, hein. Moi je suis contre ça. Non, mais on sait tous. Toute Surtout ta bande que de. tu sais que moi je suis un puritain d'esprit et Pardon? je ne pense jamais au sexe ni à rien. Mais Je suis oui! pur comme un cristal de roche. Allez, passe! Eh non, vous voyez, non, c'est impossible. Ce jeu est impossible. Comment je fais pour y aller, là? Sans déconner de l'autre côté, quoi. J'avoue que Tu c'est. construis quoi? Tu prends les colis en fait du mec et si tu construis un passage. Il te faut un petit parachute, tu sais. Ah, bon, ben voilà, vous voyez que Tintin au Tibet, même avec ses règles à la con, il est impossible à faire. Il me disait de pas sauter, de pas faire de trucs comme ça. Je pouvais pas avancer, de toute façon. C'était réglé officiel, je pouvais pas avancer. Tu me disais de marcher, je pouvais même pas éviter le gamin, mais bon, ça, on savait pas encore que je pouvais faire le truc en arrière et C'est tout ça, ça. je ne me rappelais plus du tout comme du Ah, gameplay. j'avais totalement zappé, Pareil, hein, ça j'avais remonte, imaginez, totalement ça zappé. fait plus de 30 ans le jeu. Imagine, tu m'aurais dit sans esquive. On a vu où ça donnait, j'avais pas plus loin que la première vapeur d'eau. Mais bon, voilà. On a vu, Tintin au Tibet, c'est pas mon fort, Quand je c'est dis une pour connerie, mourir. pas 30 ans, 25 ans. De Enfin, quoi? le jeu. Il a 25 ans. À peu près. Ok, il se faire foutre. Non, sans déconner. Le prochain jeu difficile, il est pour ta gueule, toi. Je te jure. Je vais le télécharger, je vais passer 2 jours. Serais-tu pas un petit peu rancunier sur les bords par hasard, non? Un Je vais mettre chouïa. mon poing dans la gueule, tu vois, si je suis rancunier. Ça, c'est tout le côté affectif d'Azuriel, comme vous pouvez le constater en direct live. Je t'emmerde. Moi aussi, je t'aime. Là, tu vas mourir, par contre. Que d'amour.
Non, bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je peux vous dire pour Ouais, tu peux le faire à moins stressé si possible. Je vous emmerde. À la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.